human mind. A 3-pound pile of dreams. This is our beachhead, and this is your landing craft. At a unique summer camp for the paranormally gifted. Don't you train psychonauts here? That is what I wrote on the pamphlet. Young cadets are taught to perfect their powers. Get in here and give me 20. And the counselors. What a delightfully mean little brain you have. Just what we want. Have secrets to hide. If I could just get him in my lab for some experiments, I'm sure he could withstand more than the others. I've got big plans for that mind. Avant de découvrir une nouveauté que je vous présenterai demain, il m'a semblé assez judicieux de revenir sur son ancêtre, oui, parce que c'est un jeu qui ne sort pas de nulle part, non, qui a vraiment une légende qui le poursuit, et des fans absolus qui ne jurent que par lui. Ce jeu c'est Psychonauts, un titre qui est sorti au début des années 2000, et puis qui a été édité sur PC, Xbox et PS2, et qui a eu un succès d'estime, on va dire, surtout parce que il était peut-être trop en avance sur les concepts des autres, sûrement. Et en général, c'est le sort qu'on réserve à ce genre de création. C'est-à-dire que oui, à la sortie, ça ne réussit pas totalement commercialement. Pour preuve, l'éditeur qui est à la base de ce titre se vautrera lamentablement la gueule, puisqu'il ne rentrera pas assez de monnaie pour couvrir les frais. Et pourtant, Psychonauts, c'est un jeu qui n'est pas sorti de nulle part. Non, bien au contraire, puisque son créateur, Tim Schafer, n'est pas un inconnu pour les vieux de la vieille. Oui, c'est lui qui a hanté vos nuits dans la plupart des jeux LucasArts que vous avez parcourus et sur lesquels vous avez bloqué, notamment à cause de ce hamster et de ce pull. Non, il n'y a aucune référence à des tentacules, mais quand même. Donc du coup, moi je me suis dit, bah Psychonauts, c'est chouette, parce que ça fait partie de ces titres que Monsieur K n'a jamais parcouru lui non plus. Et j'aimerais bien comprendre moi aussi pourquoi ce jeu est devenu culte post-sortie, donc regrettablement. Et pourquoi demain je vous ferai découvrir sa suite, Psychonauts 2, qui, lui, on l'espère, fera un carton dès son jour de lancement. L'esprit humain. 1000 km de fibres synaptiques. 16 centilitres de liquide crânien. 1500 g de matière neuronale. 1,5 kg de rêve. Mais je vais vous dire ce que c'est vraiment. C'est le champ de bataille suprême. Et aussi, l'arme suprême. Les guerres de l'époque moderne, l'époque psychique, se déroule toute quelque part parmi ces humides et fragiles ondulations. À compter de ce jour, vous êtes tous des soldats de l'esprit, des parachutistes du paranormal, des marines mentaux prêts à s'embarquer pour l'aventure de leur vie. Ça, c'est notre objectif. Et ça, c'est votre artillerie. Vous attaquerez l'ennemi sur le terrain du mental. Vous chasserez ses rêves. Vous combattrez ses démons. Vous vivrez ses cauchemars. Ceux d'entre vous qui sauront se battre
se retrouveront sur le chemin qui fera d'eux des agents secrets internationaux. Ils deviendront des Tsekonautes. Et les autres mourront. Les enfants, vous n'allez pas mourir. Eh bien, si on n'est pas psychonautes, il ne sert à rien de vivre. On m'a dit que ce n'était qu'une colo. Dogen, ne t'en fais pas pour le coach Oléander. Je viens depuis des années. Et crois-moi, il ne se passe jamais rien. Ouais, Dogen, écoute Lily. Tu n'as pas à t'en faire pour quoi que ce soit. À part pour le monstre géant qui vit dans le lac dont je t'ai parlé. Babizich, je t'ai dit d'arrêter de faire peur à tout le monde avec cette vieille légende. Je ne veux pas que les enfants aient peur de se promener la nuit sur les chemins parfaitement sûrs de la colonie de vacances psychiques du Roc qui murmure. Et nous ne voulons pas effrayer nos invités, les psychonautes de choc Sasha Nine et Mila Vodello. Wow! C'est le monstre! Ah! Information. Ah! Oh, ça résiste! Vite, attirons-le ici. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'un petit garçon. Qui es-tu, trésor? Je vais le savoir. Impossible! Ah! Mon nom commence par un D. Rasputi. Oh, oh. Mais tout le monde m'appelle Raz. Ne nous tue pas, monstre du lac! Fascinant. Blindé comme un char. Désolé du retard. Je ne veux pas perturber ce briefing, agent Oléander. Agent Nine, Vodello, allez-y, continuez. Où crois-tu aller comme ça? Tu as pénétré dans un site de formation gouvernementale hautement classifié. Je sais, génial, non? Écoutez, si je m'asseyais ici bien sagement avec les autres cadepsies. Salut, ça va? Cool ton chapeau. Il faut expulser ce jeune garçon d'ici immédiatement. J'appelle ses parents. Quoi? Mais vous n'entraînez pas des psychonautes? Si, trésor, mais... À s'élever dans le plan astral. À faire la guerre psychique aux ennemis de la libre pensée. C'est le texte que j'ai écrit sur la couverture de la brochure. C'est pour ça que je suis là, coach Oléander. Vous vous souvenez de ce que vous avez écrit à l'intérieur de cette brochure? Vous êtes né avec un vrai don. Mais aux yeux de votre entourage, c'est une malédiction. Votre mère a peur de vous. Et votre père vous regarde avec les yeux pleins de honte. Venez à la colonie du roc qui murmure, et alors tout changera. Chez vous, vos pouvoirs font de vous un paria, un exclu, un isolé. Mais dans ce dojo de l'esprit, vous deviendrez un héros. Donnez un lit à ce soldat. Bon, trésor, tu peux rester en attendant que tes parents viennent te chercher, mais tu ne peux participer à aucun entraînement paranormal sans l'accord de tes parents. Désolé. Waouh, t'en as de la chance. Tu seras bientôt chez toi? Non. Chez moi, je suis traité comme toi, Dogen. Rejeté par ma propre famille pour des pouvoirs que je n'ai jamais demandé. Ici, j'ai une chance de devenir quelqu'un, de prouver ma valeur. En venant me chercher, Dogen, ils compteront retrouver Raz, l'enfant. Mais ce qui les attendra, à leur grande surprise, c'est Raz, le psychonaute. Et tu leur feras sauter la tête? Non. Tu fais ça, toi? Non. Enfin, si une fois,
Mais maintenant, j'ai ce chapeau spécial. Tu veux l'essayer? Non, non, non. Mais il a des défenses mentales jamais vues chez un sujet aussi jeune. Si je pouvais mener quelques expériences dans mon labo, je suis sûr qu'il supporterait bien plus que les autres. Ce gosse est exceptionnel, Nine. Mais je ne vous laisserai pas transformer ce gamin en sujet d'expérience. J'ai de grands projets pour lui. Et nous voilà donc dans l'univers de Psychonauts. Et vous l'avez compris, le jeu démarre avec certaines particularités qui peuvent expliquer qu'il n'a pas eu tant de succès que ça. Oui, si vous regardez bien, on est dans un cirque de freaks. Et donc ces personnages plus ou moins moches, plus ou moins atypiques, sont bien loin des standards de ces gens qui vous vendent des choses amaigrissantes, des boissons qui ne font pas grossir alors qu'elles sont intégralement chimiques, etc. Snip, snip, snip. Snip, snip, snip. Très bien, du calme ici. Demain, c'est le grand jour. Je veux voir toute votre bande d'avortons dans ma classe à 6 heures pétantes. Est-ce que c'est clair? Je suis l'hirondelle. Et vous les vers de terre, compris? Maintenant, on dort! Ok, boss. Bon, examen oculaire avant qu'on commence. Hein? Regarde là-bas, s'il te plaît. Alors, il y a une grosse réalisation, une grosse mise en scène. Bah, c'est normal. Hein. Wow, c'est quoi? Oh, c'est un marqueur de dépipsie. L'équipe en met dans tout le camp pour tester les élèves. Chaque marqueur trouvé te fait progresser d'un rang entier. Uh-huh. Maintenant, regarde en haut, tu veux? Hmm. Certains des vieux marqueurs sont en ruine. En cherchant un peu, tu en trouveras des bouts qui traînent. Si tu trouves assez de ces cartes psy, tu pourras les réunir pour faire un nouveau marqueur de défi. Mais tu devras acheter un noyau psy au magasin pour les relier ensemble. Continue à grimper et bien vite, tu pourras employer de nouveaux pouvoirs psychiques. Des trucs dont tu ne te savais même pas capable. Et quand est-ce que je deviendrai un psychonaute? Parce qu'il faut que je le sois avant que mon père vienne me chercher. Hé, hey, où il est passé? J'ai l'impression de le connaître. Alors une des autres choses qui a peut-être pas joué en la faveur de Psychonauts, c'est qu'il a un discours vachement plus mature que ce qu'il affiche. Et du coup, le cumul de tout ça fera que le titre, bah, sa sortie connaîtra un succès de niche, comme on dit. Et étrangement, ça n'est qu'au fil du temps que tous les talents et toutes les choses merveilleuses dont il recèle seront reconnus. Du contenu, il va y en avoir pas mal. Tu ne voudrais pas être en retard pour la formation de base? Wouhouhou! La formation de base est le meilleur des cours! Wouhouhou! Alors, je n'ai jamais, mais réellement jamais parcouru ce titre. Hein. Vraiment, sans déconner. J'ai toujours mon joystick qui déconne quand je vais à gauche. Non, ça va. C'est bien parce que c'est un jeu de plateforme à la base. Et donc, il va falloir que je trouve différentes choses pour m'en sortir, mais moi je suis un seul curieux et avant de foncer dans la mission, je vais explorer. C'est dit qui ça? Bon, c'est pas l'heure de se coucher de toute façon. On va voir le méchant chef. Qu'est-ce qu'il fait tout seul lui là-bas? Je vous le dis pour la dernière fois, non. Oui, le garçon qui parlait aux écureuils. Je suis incapable de tuer tout le monde. Salut, Raz. Problème d'écureuil? Ce sont des menteurs, c'est tout. Quoi qu'ils disent, ils mentent. Sans doute, si tu le dis. Tu vas en cours? Ouais, on se retrouve là-bas. Dès que j'aurai fait taire ces bêtes-là. Ça me rappelle un certain écureuil très mal poli.
trouve petits écureuils. Ok, ça c'est ce que je dois faire récupérer dans tout le tableau. Ok, dac. J'espère que Ford Crawler fait des prix. Donc je pense que là il y a toutes les choses qu'on va déverrouiller progressivement et que niveau chat je pense que c'est prévu et il y a de quoi faire, non? Ouais, on va éviter de parler à tout le monde au début, on va essayer d'aller vers la mission principale qu'on nous demande de remplir. Hop hop hop. Et donc on va essayer de choper toutes ces cartes déjà, c'est une bonne chose. Attrape quoi? Ah bah voilà qui est pratique. J'appelle tout être intelligent de la galaxie Polarissima Australis. Répondez, Polarissima Australis. Hé, hey, où est-ce que tu vas, Malouf? Chut, je sèche. Ce cours est un piège mortel pour cingler. Écoute, le coach est fort. Au début du cours, il te met dans son esprit. Et puis, tu ne peux plus rien faire. Mais à l'intérieur, tu peux utiliser ses selles pour te tirer. Prends les miens, je n'en ai plus besoin. Je vais appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Trop tard! Bobby! Ah! Hey, petit! Tu me dois 20 points de flèche pour ta protection de la semaine! Allonge! Malouf! Ou bien c'est lui qui va t'allonger! Hé, hey, laissez-le tranquille! J'ai entendu dire que t'avais été élevé dans un cirque! Alors, je vais te le dire avec des mots que tu peux comprendre! C'est moi, le costaud du coin! Vraiment? Parce que tu ressembles plus à une barbe à papa! Benny, marque sur ma liste qu'il faut que je le tue! Viens, on le verra en cours. Ouais, on réglera ça sur le champ de bataille. Alors, ils sont vachement lâchés hein, sur les doublages. Il y a un niveau qui est assez élevé et c'est assez agréable quand même. Ok, doc. Salut, faut parler à tout le monde, vraiment? Non, on va pas faire ça, les gars. Moi, je suis venu pour chercher des morceaux de trucs. Et causer avec le boss, éventuellement. Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, tu fais des trucs débiles. Il est joli, ce mobile en cerveau. Est-ce qu'on continue d'explorer pour trouver des choses et des trucs et des... Non, je pense qu'on va nous expliquer quelque chose. Avant tout. Coach Oleander, je viens pour la formation de base. Petit, tu te rends compte que pour suivre ce cours, tu vas entrer dans mon esprit. Ouais. Et que tu vas devoir revivre chaque souvenir douloureux de chaque bataille que j'ai mené. Ça va être moche. Alors, est-ce que t'es sûr de ne pas vouloir courir un peu au soleil avant, hein? Je suis prêt, chef. Alors, dans ce cas... Tu es en retard, soldat! Entre là-dedans et fais-moi 20 pompes! Bon, c'est vrai que quand on a bossé pour LucasArts, oh. On fait des trucs un peu capillotractés derrière. C'est ça, le monde mental. On dirait un cabinet de dentiste. Un cabinet de dentiste mental. C'est un bureau de recrutement, petit, et je suis là pour vous recruter pour le plus beau métier du monde. Devenir un psychonaute. Vous mènerez la guerre pour la liberté mentale. Êtes-vous prêt à affronter la torture, la folie et la mort? Parce que c'est votre dernière chance
compliqué. Alors, il y a plein de petits détails super agréables. Les affiches, elles ont toutes été traduites aussi. Donc, en plus des doublages, c'est vraiment génial pour l'immersion. Ok. Attention aux mines. C'est évident. C'est quoi ce parcours du combattant? Mais il vient de se faire tuer. Un parcours du combattant mental, cœur d'artichaut. Il n'est pas mort. Sa projection astrale a été éjectée de ma tête. Et je vais aussi virer ta projection astrale si tu ne te décides pas à te battre tout de suite. C'est hyper. Alors, on va tester le jeu quand même. Hein. Parce que j'ai un double saut. Non. Et... Oh merde. Monsieur K le boulet mode, ça recommence. Oui, il y a une légère inertie en fait. J'ai une bonne excuse ça. Ouais, j'ai le double saut. Et calme, ce n'est qu'une bribe de mon imagination. Tu peux courir à travers ces bribes. Elles font gagner des niveaux, et quand tu gagnes des niveaux, ça te donne des pouvoirs psychiques. Donc dès que tu vois une bribe, saute dessus, soldat. Allez, attrape cette bribe. Ok. Un coffre tout triste. Et si tu te rendais utile, fais un peu de tri pendant que t'es là. Cherche une étiquette qui correspond. Elle peut être n'importe où. Alors ça c'est les pivots caméra. Il me faut une étiquette de Malkavine. Ok. Non, oh, c'est bon, chef, bon. D'accord, donc ça doit être des souvenirs que je récupère au fur et à mesure. Et plus j'en chope, plus je deviens puissant. On dirait un escargot qui remonte une pente enneigée avec le frein à main. Merde. Mais ne serait-ce pas l'affreuse barbe à papa? On peut pas franchir ça! Mais si. C'est trop débile! Mais non. On dirait un test. Il y a probablement une route secrète ailleurs. Eh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que t'es plus fort que moi? Le nouveau? Pardon? Quoi? Je suis pas débile! C'est toi le débile! Le coach est débile! Cette colo est débile! Ce truc qui vole vers toi est débile!
veulent vers moi. Le pied de Bobby Fish, débile. Crétin de nouveau. Ouais. Merci de m'avoir sauvé. Ben, en fait, je voulais sauver cette plante. Je n'en avais jamais vu de si saignante. Moi si. Elles sont apparues dans ce cauchemar affreux que je fais souvent. Tu fais des cauchemars? Oh, j'ai lu comment on fait pour les chasser. Tu me laisseras en voir un? Non. Alors, reprenons. Allez, on crame, soldat! Deux secondes. Ah, je me disais bien qu'il y avait des trucs à péter. Sans santé mentale, je vais très bien, moi. Qu'est-ce que c'est quoi? Ah, j'ai trouvé un truc. Attendez. Je finis au-dessus, il y avait sûrement des trucs encore. Ouais, non, mais la curiosité, tout ça, les vilains défauts. Ah, mais... Tu frappes comme un petit. Oh, ce qu'elle m'a dit. Oh, vous êtes témoins, les gens. Vous avez entendu? Moi, je voulais juste frapper la viande plante, ou la plante viande, ou le... je sais pas. Trajet classifié. Allons-y. Pour de vrai, cette vraie. Ouais, s'il y a un bonux, je le vox. En tout cas, le jeu est très souple, hein. C'est vachement agréable comme prise en main. Hop, hop, hop. Fais quoi, moi? Mais merde. Juste au moment où je disais que le jeu était très souple, quoi. C'est juste que moi, je sais pas où je vais, là. Voilà, soyons clairs. Y a-t-il un passage? Probably, certainly, but... Non. Non, bah pourquoi j'ai le droit de venir ici si j'ai pas le droit de... Cette énigme restera énigmatique, là-haut. Pitette, oui. Yes, I am. Est-ce que je remonte tout là-haut sur, sous ces canons? Regardez, il y en a un qui bouge. Et il m'indique qu'il faut sauter en face. Ranger une corniche. Ok, allez, je vais finir de ramasser les trucs qu'il y a à ramasser là. Oui, on n'est pas venu pour rien, les amis. Je vous le dis, en vérité. Voilà, mais il y a des plateformes dans tous les sens. On va attendre celle-là, je sens que ça va pas me plaire. Alors, les tableaux ont l'air généreusement pourvus. On va se faire la petite corniche d'abord, tranquillou. Il me disait quoi? Hey, tu t'appelles Bill? Non. Parce que je vais t'appeler Immobile. Ouah. On va s'entendre. J'entends rien, tu parles trop lentement. Boring. Ok. On dirait un escargot qui remonte une pente enneigée avec le frein à main. Oh, tout de suite, faut être désagréable. C'est pas une obligation, monsieur. Hop là. Où suis-je? Que fais-je? On va monter après le fil encore. Ok, c'est pas grave si j'ai pas tout récupéré. On se dépêche, on se motive.
on aura l'air d'idiot et Bobby va cogner du... Bobby, tu m'entends? Où tu es? Ne me laisse pas tout seul ici, Bobby. J'ai trop peur. Attention, j'ai Bobby. Trop peur. Ils vont exploser comme une pastèque. Oui. Bon, toi, tu vas faire quelque chose pour moi. Bonhomme, regarde. Passe devant, je te guide. Et confiance, vraiment. Hé, hey, Dogen, ça va pas? J'explose à chaque fois. Suis-moi, je vais t'aider à traverser les mines. Ma bonté me perdra. Ça m'a l'air compliqué la tête de mort là-bas. Ouais, je crois qu'on l'a perdu. Yosh. D'accord, faut pas que je m'arrête en fait. Suis-moi, je vais t'aider à traverser les mines. Ok. Je viendrai chercher les bonus après. Je crois qu'il n'y a rien à faire avec ce Nigo. Mais alors vraiment, rien du tout. Il n'est pas fait pour la survie. Alright. Est-ce que c'était vraiment utile? Peut-être, oui, ça m'a ouvert la porte. Ah oui, le jeu est starvé. Oula. Hey, regarde! C'est Raz! Ouais! Raz est là! Ouais! Tu pourras peut-être gagner à ce jeu! On n'y arrive pas! Ouais, on est nuls! Et le coach n'ouvrira la porte quand quelqu'un aura gagné! Ouais, Raz! Tape là pour commencer! D'accord, les méchants Kapoum, les petits bébés et les choses Shanti, on est vite. Et il faut 20 points. Il y aura plusieurs manches, j'imagine. Le PP a failli ma foire. Qu'est-ce que c'est? Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs à récupérer. Non, ça va. Ces doublages sont vraiment très bons. J'ai pas lu ce qu'il fallait faire. Bien. C'est ça. Amuse-toi bien, moi j'adore ça.
l'oiseau de fierté de l'Under. Oh, les vieux trucs qu'on mettait sur le museau. Alors ça, la génération smartphone peut pas connaître. C'était des systèmes de, on va dire, diapositives portables. Donc les diapositives, il fallait un très gros appareil pour les projeter sur le mur et avoir une belle image de plusieurs mètres. Ou bien avoir ce merveilleux appareil qu'on mettait sur le nez comme une paire de lunettes, comme une paire de jumelles plutôt, et dans lequel il y avait un disque rotatif avec les diapositives, et qu'on parcourait comme ça. On avait toute une aventure, à chaque fois des images plus extraordinaires les unes que les autres. On pouvait voyager instantanément sans bouger, comme si une machine nous reliait à l'autre bout du monde. Internet ? Monsieur est osé. Ah, c'est terrible. Ouais. Et qu'est-ce qu'on récupère ? On récupère tout. J'ai tout fait là. Oui, j'ai tout fait. Non, j'ai tout fait. Il y a des trucs là, c'est obligé. Oui, si on casse. J'aime casser en plus. Ça tombe bien. Alors. Qu'est-ce que quoi ? Option de téléportation. Est-ce que j'ai rien à récupérer encore ici ? Non, c'est bon. Eh bien, téléportageons-nous. Ce petit bonhomme vert peut être téléporté vers n'importe quelle région déjà visitée du monde mental actuel. Il suffit de sélectionner la destination. Action ! Eh bien, retournons dans la tranchée. Choui ! Ou un petit hommage à Dune, hein, tout ça, non ? Me revoilà dans la tranche V. Oh, mais au tout début en plus. Alors, est-ce que cette roquette caquette est éteinte ? T'atteinte ? Je peux sauter en face direct ? Non, dommage. Par contre, je peux me prendre des bons gadins, j'imagine. Je crois que j'ai pas solutionné cette histoire de roquette. Et ça, c'est triste. C'est moche. Et c'est plein de... Bah, si, je vais aller en face, quoi, je veux dire. Comment qu'on fait ? Ah, je suis pas allé sur les petits planeurs, là-bas. Les dirigeables. Oui, il faut que j'utilise les bons termes, quand même. Et puis, de toute façon, voilà, ça se contourne, hein. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire extrêmement simple, après tout. Ah, mais je suis quand même obligé de jouer avec les dirigeables. Ah, ça va être la partie Marcus. Salut, c'est moi Marcus. Je vous interdis de vous moquer. Je vais pas tout ramasser ici, je vous le dis. Par où je descends, par où je descends, je veux rentrer à la maison, il y en a marre. Hop là, ça y est, allez, on s'en va, on s'en va, on se casse, on se rippe, on dégage, on gicle. Bref, on se fait la rope. Je suis pas déjà devenu ici, moi. Mais si, j'ai parcouru cette... Oh, j'ai fait un tour pour rien. Qu'aurais-je oublié de désactiver ? Est-ce que la tristitude va m'étreindre à nouveau ? Ouais, j'ai fait cette superbe manip de Varap pour, comment dirais-je, rien. Je fais bien les sub-sub pleureurs de... du gars qui chouigne, non ? Non ? Non. Non. Du coup, où c'est que je suis pas allé ? C'est une très très bonne question. Dois-je tout simplement sortir du niveau ? J'en sais rien. Y a-t-il une sortie au moins ? Tant de questions, si peu de réponses. Ah, je peux aller là-dessous, mais bon.
Il y a un passage. Je me suis fait péter la gueule celui-là. Oh, pauvre petit champon qui pleure. Oui, c'est un bagage jambon, on est bien d'accord. Est-ce que ça m'accorderait le droit de partir? Then. Le Itchy Scratchy Show. Oui, si vous aviez reconnu la mélodie, bravo. Que d'explosion, que de guerre. Et nous allons retomber sur les tapis. Bref, les trampolines. Je vais essayer celui de gauche, non? Quelque chose à gauche, non? Et que dalle! Comme la fameuse nageoire de cet animal marin. Oh là là, on refait tout le parcours, c'est triste. Qu'est-ce que j'aurais oublié de faire du coup? J'ai pas pigé. Ah, monsieur K qui fait le boulet, ouais. Pff, c'est une habitude, vous savez bien, en TBG, ça passe là. J'ai fait que ça passe. Bon, ça ne passera pas. Bon, Dambi! C'est pas grave. On ne peut pas avoir que des choses graffes dans la vie. Non, il peut y avoir des choses trop aussi. Pourquoi cet accent allemand? Ah bah, c'est peut-être le casque de mon supérieur qui m'inspire. On va être obligé de repasser là-dedans, c'est triste. Est-ce que je tente la connerie de sauter par-dessus pour choper les... Ça. Non, ça se tentait, ok. Ok, vous voyez, alors ça c'est en haut, c'est tout en haut. Donc normalement je peux m'en aller. Non, oui, peut-être, ressauter. Bon, on va le faire. Je pense pas avoir oublié des choses ici. On peut pas le piloter cet avion. Ce serait bien. Ah non, encore, ça recommence. Bon, là, il me refait pas l'épreuve au moins. Ça, c'est cool. Mais ça, c'est ma manette qui bouge toute seule. Hein, je vous l'ai déjà dit. Donc, monsieur Microsoft ne veut toujours pas m'envoyer une manette. Apparemment, c'est beaucoup trop pour lui. Et donc je vais passer sur une autre marque, hein, avec une manette neuve. Quoi ? Qui marchera bien. Et je sais même pas quelle marque d'ailleurs. Donc si des fabricants de manettes ont envie d'être... associés à l'émission, il n'y a aucun problème. Le poste est ouvert. Tout bleu, tout jaune, tout rouge, tout ce que vous voulez. Ah, c'est moi qui avais oublié de baisser ça, mais quelle andouille. Oulala, d'accord, j'ai compris. Ah, c'était rigolo, la petite croix. Il a pas l'air de vouloir me lâcher, lui. Regardez les petits lapins. Si je tombe celui-là, je vais avoir un problème. Regardez ce bagage, comme il est heureux. Je lui ai amené une étiquette. Il la mâchouille tendrement. Tellement joyeux des retrouvailles. Est-ce que ça a un sens? Bon, peut-être pas tant que ça. On y go. Action! Bon, et maintenant, on va y avoir un sous-sail, c'est ça. Ah, attention. Bah oui, ça fait mal. Et ça fait mal. Oh, vite. J'ai pas une roulade ou je sais pas quoi. Les petits lapins, ils se font dégommer. Quoi? Bon, faut peut-être enchaîner. On y va. Bim. Bim. Non, ça sert à rien celui-là. Bim. Attention les lapins. Bim. 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 Et si près du but. Et là, mon Kouroux, ma colère et tout ce qui va avec. Ouz, crognogne. Tiens. Yo. Calme ta joie.
Kapow. Ouais, super vite. Encore lui. Oh. Oui, toujours regarder derrière. On ne sait jamais. Petit cadeau pour moi? Non, jamais. Ah, allez vous faire cuire. Ouh. Oh, trop tard. Alors je continue de confirmer, hein. Le jeu était trop en avance sur son temps, c'est clair. Mais vas-y gros. Ce petit bagage tout bleu est tellement heureux. Comment aurais-je pu le laisser? Et on y retourne! Ah bah ça pique forcément. Je donne pas à Londres. Oui, je prends mon temps. Hein. J'ai pas mal aux muscles, ça va. Où je vais, nom de Zeus? Qu'on me dit de pas m'approcher. Faut que j'essaye. Ok, on va essayer de s'appliquer. On va prendre le prochain tour d'avion, j'y repasse. Bitette. Ouais. Ah, il passe pas sur moi, dommage. Oh putain. Oui, j'ai fait un saut de trop qui ne m'a pas porté bonheur. Ah mais il y a différents trucs à récupérer là.
pas de bonus, tant pis pour eux. Où est ce sac tout malheureux? Ah, c'est en face. Oh, il est là-haut. Ok, ok. Est-ce que je tente? Oh, c'est idiot, je vais le faire. Même pas besoin. Mais bon. On dirait un escargot qui remonte le pont en léger avec le frein. Ah ! Oh, oh le gadin ! Oh le gadin ! Je crois que c'est une mort. Merci checkpoint, tu es gentil. Je vais ramasser ça, tiens. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Non, pas de toile d'araignée, on a dit. La toile d'araignée tue l'esprit. Non, dans l'autre sens, ce serait mieux. Tu pourras traîner tant que tu veux quand tu seras mort. Bon, ça se passait pas par où je suis passé, le truc là. Il aurait peut-être fallu que je saute sur ça. Ouais, ça se tente. Regardez ce sac, comme il est joie, comme il est intensité. Le bonheur, c'est ramener une étiquette à un sac. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouf, c'était chaud ça. Mourir, je n'ai pas l'intention de mourir à mon ami. Alors. Je vous ai déjà dit que j'adorais les passages en hauteur. Non mais c'est pour les gens qui suivent pas. Oh là là, l'aménagement des tableaux est pervers. Ouais. Admettons. belle synchro, j'en conviens. J'avais senti que j'étais trop à gauche sur ce truc. Ah, ça devrait mieux passer déjà. Oh, trop court. Meine Bade. Ah, je suis trop à gauche. Ah, mais je peux me déplacer de gauche à droite. J'avais pas vu venir le truc. Hop là. Allez, fais ça bien. Oulala. Il va y avoir des pièges, il va y avoir des pièges. Ok, ah pour sauter. Psychonauts, ce jeu. Est-ce qu'on se téléporte ou je vais voir ce qui se passe là-bas? Hein,
Je ferais bien une grosse sauvegarde, moi. D'ailleurs, on va la faire. Si on peut. C'est une très bonne idée, parce qu'on n'a pas eu une seule depuis le début. Au poil. Est-ce que je vais dans cette chose immense où je continue d'explorer par là? J'ai le doute. Bon, on chargera la sauvegarde hein, si il nous renvoie au démarrage du... de la partie tuto. Je peux retourner au canon, est-ce que ça aurait un intérêt? Non, je vais sortir. Allez. Puis on va arrêter par ici parce que ça fait quand même pas loin d'une heure de... stream de ce Psychonauts premier du nom. Et que maintenant que vous avez pigé l'ambiance, et ben préparez-vous à explorer le 2 qui vient d'arriver. Ouais, c'est sûr. Je suis bien d'accord avec toi. On se fait cette épreuve et on y va. Oh purée. Il avait raison de se moquer, le vieux, finalement. C'est vrai que ça donne un peu la... le... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Fille, elle est tranquille, hein. Tout est dans la gestion de caméra. Tant pis pour les nombreux bonus. Tant pis pour tous ces points que je pourrais faire. À ne plus en pouvoir. Allez, raidons. Wouh ! Ouais, t'en finis le calvaire. Peut-être. Il y a une porte de sortie là-bas. Hello ! Hello ? Je suis en avance. Ok. Ne fais pas ça, petit ! Est-ce que tu peux m'expliquer ce que t'es venu faire ici? J'ai cherché juste à trouver la sortie. Oh, désolé, petit. Je ne croyais pas que tu finirais si vite. Et je ne croyais même pas que tu finirais tout court. On peut dire que tu m'as étonné, tiens. Tu as mérité ça. Ton premier badge de psychonaute. Je suis toujours content de voir un soldat revenir du combat en vie. Bon, si ça ne te fait rien, il faut que j'y retourne. J'ai encore des soldats là-bas. Et donc, les amis. Ah, je peux pas en caser une. Sont incroyables. J'aimerais que tu viennes à mon labo pour un entraînement avancé. Ouh, Raz le Naze va suivre le cours spécial. Benny, fais-moi penser à lui filer une raclée spéciale après, d'accord? Ces tests ne sont pas officiels, alors en principe, je ne peux pas te demander de venir. Mais si jamais tu passes, ma foi, que puis-je y faire? Tu n'as qu'à apprendre ça. Rappelle-toi, ton talent te tiendra toujours à part, Rasputin. Parfois, l'isolement est une bonne chose. Il peut mener à d'importantes découvertes.
Je sais même pas où est votre labo. Ça fait partie du test? Parfois, l'isolement est une bonne chose. Il peut mener à d'importantes découvertes. Maintenant, j'entends des trucs. Super. Je l'aime bien, lui, il est festif. Et donc, je disais, eh ben, on se retrouve demain pour découvrir la version 2 de Psychonauts et voir tout ce qui a changé avec tout ce temps qui est passé. Oui, tout ce temps déjà, comme disait le doc. Et peut-être s'éclater encore davantage. Sur ce, playlist, playlist, bouton d'abonnement, et moi je m'enfuis, tout doucement, tout gentiment. Pourquoi je parle comme ça? J'ai fait l'accent allemand tout le long, donc je reviens doucement en France et je passe par la Suisse, ça me semble évident. Ciao.